Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les Duendes, il s'agit essentiellement d'elfes ou de lutins. Ces choses sont soit bonnes, soit mauvaises, mais le plus souvent malveillantes. On dit que les mauvais attirent les enfants et que les bons vous font des farces. Quoi qu'il en soit, ça s'est passé quand j'avais 13 ou 14 ans chez ma tante. Ma tante vivait tout près d'une montagne, près d'Oaxaca. Son mari, mon oncle, était un homme assez riche. Il vendait et élevait du bétail. Il avait beaucoup de chevaux, de bétail, de chèvres et de chiens. Leur maison était grande. Il y avait beaucoup de terre pour les animaux. Ils habitaient dans un endroit très isolé, la ville la plus proche se trouvant à une certaine distance. Nous y sommes allés une année pour rester avec elle, et tout était normal les premiers jours. Puis les choses ont commencé à se gâter tôt un matin. Je porte des montres-bracelets. Je les enlève pour aller me coucher et je les remets après m'être brossé les dents, etc. Je me souviens m'être réveillé, avoir pris ma montre et l'avoir posée sur une étagère à l'extérieur de la salle de bain, m'être brossé les dents et avoir constaté à mon retour qu'elle avait disparu. J'ai réfléchi pendant une seconde et j'ai regardé autour de l'étagère et en dessous, mais je ne l'ai pas trouvée. Je suis retourné dans la chambre où je logeais. J'ai regardé autour de moi et je ne l'ai pas trouvée. J'ai pensé que l'un de mes frères et sœurs jouait avec moi et j'ai regardé autour de moi et ceux-ci dormaient. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à être non pas effrayée, mais inquiète. J'ai regardé l'étagère de plus près et il n'y avait rien. Je me souviens d'avoir dit à voix haute « Que celui qui a pris ma montre me la rende parce que je vais me fâcher. » Je m'éloigne pour mettre mes chaussures et j'entends un léger bruit dans le salon. C'était l'alarme de ma montre qui se déclenchait. J'ai regardé dans le couloir et j'ai vu la lumière bleue de ma montre. C'est à ce moment-là que j'ai eu peur. Je me suis approché de la montre, je l'ai mise et j'ai eu un sentiment de malaise. Je vais regarder la télévision et je vois ma tante qui entre dans la cuisine. Je lui dis bonjour et lui demande si c'est elle qui avait pris ma montre. Elle me répond que non, mais qu'il ne faut pas laisser d'objets de valeur à l'extérieur. Je lui demande pourquoi. Et elle me répond que les Duendes les prendront et les cacheront. J'ai un petit rire gêné et je dis quoi ? Elle a bien vu que je la prenais pour une folle. Elle m'a dit qu'elle était sérieuse et que le Duende avait probablement pris ma montre. Dans mon esprit, je me dis, cette femme est folle. Plus tard dans la journée, j'ai demandé à ma mère si ces êtres existaient vraiment. Elle m'a regardé d'un air inquiet et m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit que ma tante avait affirmé qu'il y avait des Duendes dans sa maison. Elle a éludé la question et m'a simplement dit « Si tu as peur, prie ». Je n'y ai pas beaucoup pensé par la suite. Je me souviens que nous avons regardé un film dans le salon et que je me suis endormie sur le canapé. Je me souviens m'être réveillée en entendant un bruit sourd provenant de la cuisine et des pas qui en sortaient en courant. Les pas étaient légers, mais tout de même audibles. On aurait dit un chat qui courait. Je vois la lumière s'allumer dans le couloir et je vois ma tante courir vers la cuisine. Je l'entends dire « Mandigos Duende », ce qui signifie « maudit lutin ». Je me lève lentement et jette un coup d'œil dans la cuisine. C'est un énorme désordre, beaucoup de choses ont été renversées, la plupart de la nourriture. Je demande si un animal est entré, peut-être un raton laveur. Elle est exaspérée par le désordre et se contente de dire « Duendes ». Je roule des yeux et regarde ma montre. Il était presque 4 heures du matin. Nous avons fini de nettoyer au bout d'environ 20 minutes et c'est alors que je l'ai aidée avec la pelle à poussière. Au moment où je m'accroupis, je regarde l'énorme tas de nourriture et je vois soit du sucre, soit de la farine et je distingue de minuscules empreintes de pieds. Pas comme des empreintes de pieds de bébé, mais plus petites. Comme si un lézard avait des pieds humains. Je regarde ma tante et elle sait que je les ai vus. Je ne suis pas encore complètement convaincue. Je vais me coucher et je me réveille. Il ne s'est rien passé pendant quelques jours. La dernière expérience que j'ai eue avec ces choses, c'est quand je dormais et que pour une raison quelconque, je me suis réveillée. Sans aucune raison, je me souviens de m'être sentie mal à l'aise et d'avoir entendu à nouveau ses pas, comme si quelque chose de petit courait devant le lit. Je me suis redressée rapidement et j'ai vu une petite ombre qui courait bizarrement, comme si elle se dandinait, mais elle se déplaçait quand même assez vite.
Tout ça s'est passé en quelques secondes. J'ai allumé la lumière et il n'y avait rien. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à croire à cette merde. J'étais très mal à l'aise après ça et j'étais contente d'être sortie de là. Cette histoire n'est pas la mienne, mais celle de mon entraîneur, et elle est censée être vraie. Elle est arrivée à sa mère, nous l'appelons Maria, ainsi qu'à sa famille. Il vivait dans la campagne mexicaine, et tout était loin, si bien que lorsqu'ils devaient aller faire des courses ou acheter des fournitures, ça leur prenait 2 jours. À l'époque, Maria était chez sa tante, et elle avait 13 ans. La famille de Maria avait une ferme contenant 20 chèvres et moutons. Ils avaient 6 chiens bergers allemands, avec lesquels Maria a grandi. La maison est très ancienne et lorsqu'il faisait froid, celle-ci était également froide et il en va de même pour la chaleur. Maria, sa tante et son bébé étaient là calmement. Lorsqu'à un moment donné, Maria s'est soudain rendue compte que les 6 bergers allemands qui étaient tous assis la regardaient fixement. Un peu inquiète, elle sentait que quelque chose n'allait pas, mais se dit tout de même qu'ils ne lui feraient rien puisqu'elle les connaissait depuis qu'ils étaient chiots. Mais ceux-ci se sont mis à grogner et sa tante s'est dit aussi que leur comportement était étrange et que ce n'était pas normal. Alors elles ont décidé de se cacher un peu pour être en sécurité au cas où. La maison disposait d'un grenier de stockage. Elles y sont montées. Maria a commencé à regarder à travers les panneaux du plancher et a vu que les chiens étaient assis dans la même position et grognaient, leurs yeux fixés sur une partie d'un mur. Et là, ce qu'elle a vu l'a traumatisée pour le reste de sa vie. Elle a vu ce qui semblait être un doigt humain, avec un ongle, mais ce n'était pas humain. Puis le doigt est devenu de plus en plus long, en glissant à travers l'un des trous du mur. Il atteignait la moitié de la pièce, pointant d'un côté à l'autre de la pièce. La tête des chiens se trouvait juste en dessous du doigt. Maria ne pouvait pas détourner le regard, jusqu'à ce que le bébé ait soudain faim et décide de pleurer. À ce moment-là, le doigt a rapidement glissé hors du trou. En voyant ça, Maria et sa tante étaient horrifiées et restèrent sur place toute la nuit. Le lendemain matin, Maria ouvre la porte d'entrée et n'en revient pas. Les chèvres et les moutons étaient tous éviscérés, tués violemment, le cou tordu. Ses parents sont arrivés plus tard dans la nuit. Maria leur a expliqué tout ce qui s'était passé et ce qu'elle avait vu. Ceux-ci étaient soulagés qu'elle aille bien. J'ai plusieurs histoires à raconter sur le Mexique. Celle-ci est celle d'un ami qui m'a raconté l'expérience de son oncle et de son ami. Les deux hommes rentraient chez eux sur une autoroute, il y a quelques années, dans l'état de Oaxaca. Ils sont montés dans l'un de ces vieux camions à plateforme qui servent à transporter les légumes ou les fruits qui ont été cueillis ce jour-là. Ils étaient agriculteurs pour la plupart, car Oaxaca était très rural à l'époque, et venait tout juste de se doter d'une autoroute en béton. Alors qu'ils rentraient chez eux, l'oncle a remarqué quelque chose dans le rétroviseur et a distingué ce qui semblait être un cheval à environ 50 mètres de distance. Il ne pouvait pas vraiment distinguer ses traits. Il n'y pensa pas jusqu'à ce qu'il s'endorme sur le siège du passager. Pendant qu'il dormait, il a fait un petit cauchemar. Un cheval aux grands yeux noirs s'est approché du côté passager et l'a réveillé en sursaut. Il a repris ses esprits en regardant son ami qui conduisait avec un regard terrifié et qui roulait à environ 80 km/h, ce qui à l'époque était plutôt rapide pour un camion de cette taille. Il lui a demandé pourquoi il roulait si vite et son ami lui a répondu qu'il était suivi. Il a ajouté que depuis quelques kilomètres,
Le cheval dans le rétroviseur se rapprochait lentement du véhicule. C'est alors que la panique a commencé à s'installer et qu'ils ont tous deux ressenti une peur immense les envahir. Ils ont accéléré pour essayer de s'enfuir, mais le claquement des sabots de ce cheval devenait de plus en plus fort derrière eux. L'ami qui conduisait a dit à l'oncle de ne pas se retourner et de ne pas regarder l'animal, car il semblait les rattraper à chaque fois qu'il le regardait en arrière. L'oncle ferma les yeux de peur, écoutant seulement, et lorsque les sabots se rapprochèrent de plus en plus, il jeta un coup d'œil sur le côté de la fenêtre et vit les grands yeux noirs du cheval qui regardait directement son ami depuis le côté passager, car il l'avait maintenant rattrapé. L'oncle cria à son ami de ne pas regarder et de se contenter de regarder droit, car le cheval le fixait du regard. Ils ont accéléré autant qu'ils le pouvaient, et l'animal a continué à avancer à vive allure, fixant toujours le conducteur. Celui-ci a finalement jeté un coup d'œil. Il s'est mis à pleurer, submergé par l'émotion et la panique, lorsque le cheval s'est soudainement mis à ralentir. L'oncle le vit à nouveau dans le rétroviseur, mais cette fois-ci, il n'avait plus de jambes. Il se tenait debout sur la route, flottant, les fixant de ses immenses yeux noirs. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, ils ont raconté au grand-père de l'homme qui conduisait ce qu'ils avaient vu. Il leur a dit que la route qui avait été construite à cet endroit avait traversé un territoire narwal sacré et qu'ils avaient eu de la chance de passer dans cette zone à cette heure de la nuit parce que tout le monde avait senti que le sol à cet endroit était salado ou salé, ce qui signifie qu'il était chargé d'une mauvaise énergie. Dans le folklore mexicain, l'archétype de la sorcière est la lechuza ou sorcière hibou. On dit que la lechuza fait un pacte avec Satan ou d'autres esprits maléfiques pour acquérir cette capacité. Elles sont souvent représentées comme des femmes âgées et on dit qu'elles enlèvent leurs jambes et les cachent lorsqu'elles sont sous leur forme de hibou. Lorsque j'étais enfant, ma grand-mère maternelle me racontait des légendes et me jurait qu'elle avait rencontré des sorcières. Il y a 2 ans, j'étais au Mexique, dans la ville natale de mon père, où il y a environ 9000 habitants. Notre maison au Mexique se trouve un peu à l'écart de la ville principale, au bout d'un très long chemin de terre. À gauche de la route, il y a de petites maisons traditionnelles, et à droite, un profond ravin qui était autrefois une rivière, et de l'autre côté du ravin, il y a des bois. J'ai décidé de partir tôt, car j'étais fatigué. J'ai fait du stop avec quelqu'un de la ville qui vivait au début du chemin de terre, ce qui signifiait que je devais marcher environ 1,5 km à peu de choses près. 10 minutes après le début de ma promenade, j'ai entendu des bruits d'oiseaux et j'ai supposé que les oiseaux qui se trouvaient à proximité dans les arbres s'installaient pour la nuit. J'ai regardé les arbres et à environ 3 mètres de haut, j'ai vu une paire d'yeux orange vifs qui me fixaient. J'ai entendu d'autres bruissements et je me suis retourné pour constater que les yeux avaient disparu, ce qui m'a amené à penser que l'oiseau s'était envolé. Soudain, j'ai entendu une voix venant du fond du ravin qui disait « Venez ici ». J'ai décidé de l'ignorer, mais elle a continué à me harceler jusqu'à ce que je craque et que je me dirige vers le ravin pour dire à cette femme de me laisser tranquille. J'ai commencé à lui dire que j'étais pressé de rentrer chez moi quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Elle était habillée en tarue marra, ce qui signifie qu'elle avait une longue jupe mais qui n'était pas entièrement descendue. Et cette femme n'avait pas de cheville et elle semblait flotter. Elle m'a regardé avec une haine totale dans les yeux. J'ai réalisé qu'elle savait que son secret était dévoilé. Effrayée, je me suis précipitée vers la maison en entendant un grand bruit de battement d'ailes qui me suivait.
J'ai regardé en arrière et derrière moi volait un énorme hibou. J'ai couru dans la maison, mais je n'ai eu que quelques secondes de tranquillité avant que quelque chose ne frappe à la porte en poussant des cris inhumains. J'ai paniqué et je me suis souvenu que ma grand-mère m'avait dit que la prière était la meilleure défense contre une sorcière, ce que j'ai commencé à faire. Puis j'ai décidé de mettre du sel dans les entrées de porte quand quelque chose a cassé la fenêtre de la cuisine au-dessus de l'évier, essayant de passer par là. C'était le même hibou. Dans la panique, j'ai pris le sel que j'utilisais sur les portes et je l'ai jeté sur elle. Immédiatement, elle a reculé et s'est penchée sur la clôture en regardant fixement la fenêtre. Le lendemain matin, je me suis réveillée en espérant qu'il s'agissait d'un rêve horrible. Mais en entrant dans la cuisine, j'ai vu le verre de la fenêtre brisé. Et lorsque je suis sortie, j'ai vu de grandes égratignures sur la porte d'entrée. Je me suis approchée de la clôture où le hibou était perché. Il y avait du sang sur la clôture et sur le sol autour. Découragée, j'ai commencé à balayer le verre de la porte d'entrée quand je l'ai vu. Une femme autochtone d'un certain âge, de l'autre côté du ravin parmi les arbres, qui me regardait fixement. Je savais qu'elle était là et je l'ai dévisagée jusqu'à ce qu'elle retourne dans les arbres et que je ne la revoie plus jamais, heureusement. Chaque fois que j'y retourne, je place du sel dans l'embrasure des portes et je prie dès que j'entre dans la maison. Souvent dans cette maison, je me sens observée et d'autres personnes qui restent signalent des voix à l'extérieur et des bruits sur le toit. Je sais qu'elle est assise dans les arbres et qu'elle attend de pouvoir m'attaquer à nouveau.